Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans un hall, donc il y aura, c'est un petit hall, donc comme j'ai dit, ça sera les doigts de fée et saga post-scrap, voilà, j'ai commandé des embellissements en bois, j'ai plus le nom, mais je suis bonne, voilà, donc on va commencer par les doigts de fée, voilà, donc je remercie beaucoup, donc j'ai parlé un petit peu avec Nadine, voilà, donc je vous ai eu pas un code promo parce qu'ils font pas de code promo, mais un petit parrainage, voilà. Donc si vous passez une commande chez eux, sûrement à la fin, il y aura code parrainage. Il faudra mettre mon adresse email que je vous mettrai en barre d'infos. Et vous aurez 5%, n'importe quoi. Vous aurez 5 euros sur la prochaine commande. Voilà, donc du coup, je remercie beaucoup Nadine pour cette petite attention. C'est très gentil de sa part. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma petite commande. Voilà, donc j'ai dans l'optique de faire un album sur la mer. Quand on est allé il n'y a pas si longtemps que ça, faire un petit tour au bord de mer. Et du coup, on a fait plein de petites photos. Donc, du coup... c'était l'occasion de faire un album, mais j'avais pas de papier et j'ai trouvé cette collection-là de chez Ciao Bella, la The Soon of Summer. Voilà, donc je vais vous la présenter. J'ai eu deux petits cadeaux, voilà, un petit cœur et puis là ça tombe bien. Une petite roue, voilà, de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de bateau là, donc ça tombe très très bien. Ensuite, je me suis pris aussi ces dies-là. Voilà, ça faisait longtemps que j'en cherchais pour faire des onglets, tout ça. Et j'ai vu cela et bah, ça m'a plu. Donc là, il y a la trombone. Ici, ça fait un effet papier déchiré. Bon, celle-ci, moins parce que voilà. Mais c'était plus pour cela, en fait. Donc, à tester tout ça. Donc, voilà. Ensuite, au niveau papier. Donc, j'ai pris cette collection-là en A4. Celle-ci. Donc, on va... Je vais vous montrer ensemble ce que ça donne. Et par contre, ouais, je vais vous dire, j'ai été, franchement, je l'ai reçu super vite. J'ai passé ma commande, de, je sais plus, mardi, je pense. Enfin, en deux jours, je l'ai reçu. Voilà. J'ai reçu ma commande au bout de deux jours. Donc, ça a été super vite. Donc là, c'est la page de présentation. Voilà, donc derrière, elle est comme ceci. Ici, on a quatre jolies cartes, elles sont trop belles. Derrière, donc c'est un fond, un ciel en fait. Et il y a tous des petites notes de musique. Plutôt pas mal. Donc ici, c'est tout du découpage. Donc on a des tailles, des petites étiquettes. Plein de jolies choses. Derrière, comme ça. Ici, pareil. Encore du découpage. Ici, il y a aussi des aiguilles. Donc, à mon avis, pour pouvoir faire une genre de petite flipette. Derrière, c'est du sable. Donc là, on retrouve encore. C'est beaucoup du découpage, je pense, dans les A4. Alors ici, on a deux grandes images. Vraiment trop belles. Derrière, comme ceci. Il y a encore plein de petites choses à découper. Toujours, en fait, ça fait une page à chaque fois. Voilà. Et ici, on retrouve ces fameuses notes de musique et du découpage. Voilà. Donc, voilà. En A4, c'est beaucoup des feuilles à découper. Et ensuite, je l'ai pris donc, en 30-30. Il y a 12 pages. Hop, comme ça, j'ai de quoi découper. Et après, je pense que ça sera un mini. Je ne vais pas faire un grand album. Donc là, on a des trucs à découper ici. On retrouve la feuille avec les partitions. Celui-ci, très beau, avec les mouettes. Derrière, on retrouve celle qu'on avait en A4. Donc là aussi, très jolie aussi.
derrière, comme ceci. Ça se fait pas mal aussi. On peut quand même découper le tout et puis du coup garder juste le paysage là, très joli. Derrière aussi, c'est plutôt pas mal. Celle-ci aussi, très belle. C'est vraiment, les images sont vraiment très jolies. Là, comme celle-ci. Ici. Voilà. Là aussi, c'est pas mal. Enfin, juste une page comme ça, c'est quand même pas mal. Là, ça fait des nattes très chic. Là, à découper bon, juste ce qu'il faut dans les feuilles A4. Derrière, c'est comme ci, comme ça, du bois. Donc là, bah, plein de petites décorations. Plutôt pas mal aussi, derrière, comme ça. Ici, voilà. Derrière, comme ça. Avec tous les poissons, les coquillages, derrière les encres, oui, comme ceci. Et donc ici celle-ci qui est plutôt jolie aussi avec tous des petits cadres. Voilà, et derrière comme ça. Donc voilà, donc le petit hall de chez les Doigts de Fée et ensuite chez Saga Postcrap. Donc j'ai pris plein de petits embellissements comme ceci, donc pour aller avec l'album. Alors, je vais essayer de pas les casser, ça serait bien. Alors, ça je peux l'enlever. Enfin, peut-être garder, tiens, je vais faire comme ça. Alors ici on a le mot ensemble dans un rond. Ici les lointains paysages. Et celui-ci, instant en famille. Il y en a encore. J'en ai pris des autres, donc celui-ci sont un peu plus fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Famille. Semer le positif chaque jour. Alors celui-là, j'ai pas souvenir de l'avoir pris. Celui-là, je n'ai pas... Ouais, je ne sais plus. Là, point de vue exceptionnel. Comme on a fait des photos du paysage, ce sera nickel. Jolie photo 100% souvenir. Celui-ci, bah, c'est un petit peu obligé. Hein, ça va très bien dans le thème. Et ensuite, voilà. Moment magique. Voilà. Donc voilà mes petits mini haul, voilà, chez Sagapo et les Doigts de Fée. Donc n'oubliez pas, pour les Doigts de Fée, j'ai un petit code parrainage. Donc ça sera mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.